Hey, salut! Bienvenue en Inde, sur les routes les plus hautes du monde, pour l'essai presse de la nouvelle Royal Enfield Himalayan. On part faire un tour? Let's go guys! Allez, c'est parti sur les petites routes indiennes pour tester la Royal Enfield Himalaya. Ça tombe bien parce que justement, on est en Himalaya. Alors je commence par la partie cycle. Très bonne surprise, hein. C'est du très basique. C'est du cadre acier, monopoutre, boucle arrière soudée directement dessus. C'est très basique et pourtant c'est étonnant comme c'est stable, comme ça tourne bien. C'est vraiment facile à emmener. Donc vraiment un bon point. Après les suspensions. Alors écoutez, dès qu'on est sur la route, c'est bien. Il n'y a pas trop de tangage ou ça part pas trop sur l'avant au niveau des freinages. Et puis quand on attaque la terre, ben, on n'est pas déçu, hein, honnêtement. Là, les Indiens, ils font mieux que certains Japonais, hein. Donc voilà, ouais, donc bien sur la terre, ces suspensions, ça travaille bien. Il y a du débattement, il y a de la garde au sol sur l'angle aussi et dans la terre. Donc bonne partie cycle. Par contre le moteur c'est un petit peu moins la fête. Alors la moto qu'on m'a filée, elle avait que 17 km, pas très bien rodée. Après faut admettre que là ici on atteint des altitudes qui mettent pas franchement les chevaux à l'honneur. Mais bon ça en manque, hein, depuis le début. C'est pas très coupleux non plus. La boîte de vitesse, il y a souvent des faux rapports. Entre la 1 et la 2 ça saute et l'embrayage c'est un peu sec, hein. C'est pas très smooth en fait à rouler. Hop. Ouais voilà c'est ça un petit peu l'Inde aussi, faut faire super gaffe. Les gens roulent comme des malades ici. Ouais, donc voilà, le moteur pas terrible. Après, petite note quand même, ce sera pas forcément celui auquel on aura droit en France, parce que celui-ci, il a un carburateur. Ils sont encore en train de travailler sur Euro 4 et l'injection, donc avec un peu de chance, on aura un moteur un peu plus péchu, un petit peu plus économe aussi. Quoique là, depuis le début du trip, là, je dois être à quasiment 730 km avec cette moto. À chaque fois je fais environ du 5 litres au 100, donc c'est pas mal. Je peux vous parler aussi des petits aspects pratiques. Et ben il y a un petit porte-paquet sympa, il y a un cadre ici qui permet de visser pas mal d'accessoires. Non, c'est une moto bien pensée, en plus elle est assez jolie je trouve, même s'il y a quelques détails de finition qui fâchent. Au niveau de la position de conduite maintenant, alors c'est une moto faite par les Indiens pour des Indiens et donc elle est petite. Ce qui est bien c'est qu'on peut poser les deux pieds au sol sans aucun souci. La hauteur de selle est relativement basse. Par contre cette selle après 100 km on n'en peut plus quoi. Elle est trop molle et au final on se retrouve quasiment assis sur le cadre. Ça c'est vraiment un point qu'il faudra revoir pour les Français qui sont peut-être un petit peu plus lourds que les Indiens. La bulle vous l'avez peut-être reconnue, on dirait celle qui était vendue pour les bandits il y a quelques temps, les Hornets là, dans les années 90. Ouais, ils sont pas trop pris la tête, hein, ils ont pris la même, mais bon ça fait le taf. L'instrumentation, regardez, petit détail sympa, une boussole. Donc voilà, moi je file vers le nord, vers le Cachemire. Alors en plus à l'avant on a une grande roue, donc ça avale pas mal les aspérités. Et les pneus sont pas trop mal aussi, hein. Faut dire que les routes ici elles sont glissantes naturellement et ça passe de la terre à la flotte, au bitume, au pavasse, enfin bref on a le droit à tout. Donc c'est vraiment la moto idéale pour ce pays. On pourrait s'imaginer venir jusqu'ici avec une 1200 GS mais je pense qu'on n'en tirerait pas autant de profit, hein. Allez, on fait un petit truc. Voilà. Si vous m'envoyez une photo de vous avec cet autocollant à cet endroit, je vous promets que je vous envoie un abonnement à l'année pour Moto Magazine. Bon voilà, fin de cette odyssée Himalayan avec Royal Enfield. Vraiment une superbe aventure, des routes magnifiques, des trucs intenses à vivre. Vraiment à mettre dans le top 5 des trucs à faire en moto. Concernant la Royal Enfield, bah écoutez, pas mal. La partie cycle géniale, confortable. On a vraiment pris du plaisir avec cette moto pendant ces 5 jours d'aventure entre route et enduro. Bon, c'est sûr, le moteur ça manque un peu de patate, avec l'altitude ça vit pas forcément très bien, mais on attend quand même une version Euro 4 de cette machine pour le marché français, pourquoi pas avec un moteur 750, mais en tout cas c'est quelque chose qui, c'est une moto qui mérite sa place en France, une petite moto basique sympa pour aller se balader tranquillou à l'ancienne, et ça Motomag on aime bien. Je propose de retrouver l'essai complet de cette machine dans Moto Magazine, ainsi qu'un beau petit reportage sur l'Odyssée Royal Enfield, Himalayan Odyssey, voilà. Allez, ciao, à plus.